Et oui, je réussis à esquiver la bouboule de ce feu. Non, je passe mon tour. Bon, Ramsès, s'il te plaît. Un peu de sérieux, là, le chat. Alors, le moine 3, il est où? Où qu'il est... Pardon. Il est mort, donc il peut rien faire, hein, forcément. Ah, il y a des... le moine 9, il tire. Il tire sur Timor. Avec son arbalète. C'est quoi ça? C'est Xavier qui fait ah, ouais, c'est quoi ce bouton? Mais c'est ça, mais parce que je vois plus attaque en puissance, mais je vois concentration de vie. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Donc effectivement, il le loupe hein, complètement. Parce, je ne sais pas trop où. Et c'est un Inuel de jouer qui est un peu Kamal, mais bon. Kamal et qui a 3 moines autour d'elle. Et ton pote Urd est en train de faire un petit peu de ménage. On va taper. Le ménage est important. Il tape, un des moines ou sur le frère Ajardi qui est là à présent? Non, un des moines. Oh, plus 52, ça va pas le faire. Ah, il y a de la tenaille, hein. Ouais. Parfait. On dirait que c'est un critique. Ouais. On dirait. Hop. Ah, je me suis trompé de dé. Bah, tu fais les dégâts, c'est pas grave, le gars. Mais j'aurais plus le critique du coup. Si, si, normalement, si. Il est toujours en critique, normalement. Il est toujours en critique. Ah bah non, il est pas en critique. Mais bon, de toute façon, il crevait. Voilà, c'est et je fais un pas de placement, hein. Alors hop, là, t'es dans le feu, là. Non, je suis à côté. Non, t'es dans le feu. Ah. Oh. Voilà. Là, t'es sur le rondin. Bah, hey, tu sais quoi? Bouge-lui, tiens. Hop, voilà. Ah, non, t'es pas sur une case. Ah, mais ça, je sais pas. Si tu joues comme ça. Alors, bah passe ton tour, Gaël, s'il te plaît. Si je veux, d'accord. C'est à Amarange qui a fait un peu le ménage. Il s'avance sur. Un des moines qui a osé tirer un carreau d'arbalète sur Timor. Il te fait un geste, hein, Tiline, à Marange, pour te dire qu'il s'en occupe, tu vois. Et donc il s'approche de ce moine, il donne un coup de rapière. Quel boulet, c'était l'autre. Non, je plaisante. Et il le touche de sa rapière. Et bof, mais je fais des dégâts monstrueux ce soir. Ouais, comme tous les soirs. Le frère Ajardi va en profiter lâchement. Tu vois qu'il saute sur le rondin à côté de Ninuel. Il fait un pas de placement. Et il frappe de ses mains. L'acrobatie. Bah si tu veux, hein, moi c'est pas trop. Non, je plaisante. Si je fais un jet d'acrobatie, Ninuel fera aussi un jet d'acrobatie. Et frappe. Non mais t'imagines, il saute sur le rondin, ça envoie Ninuel dans le ciel, elle atterrit sur la tente et elle tue deux moines quoi. Et bien sûr. Non, c'est pas génial. Oh là là, Ninuel, tu as de la chance, t'as dû glisser sur le rondin en fait au moment où le frère Ajardi frappait. Et c'est à Urde de jouer. Mais pourquoi il vient me frapper moi? Je sais pas. Bah t'es plus dangereux. Ouais, t'es la plus dangereuse. Urde, je fais un pas de placement, je me mets là. Je me mets en rage. Oh putain. Ils sont placés ah bah, juste temps. Comme il faut. Oh putain. J'utilise ma rage élémentaire là sur le premier coup. Ah non, c'est après que je le fasse. Enfin, je sais pas après. Je ferai après. Je vais m'enrager l'inventaire, je tape le premier coup et je veux faire un enchaînement en fait. Je vais taper le premier coup sur le frère, je sais pas quoi là. Ajardi là. Oui. T'aurais pas dû taper sur le plus faible parce qu'il faut pas que tu le tues pour. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté, il s'est présenté en tant que frère, je sais pas quoi. Ouais. Bah à l'inverse, l'autre. L'autre qui est. Je fais attaque en puissance aussi. Ah. Je vais essayer. On va essayer, on va voir si on a un peu de chance quand même. Et non. C'est un coup dans le. Un coup dans le vent. C'était vraiment pas de bol quoi. C'est pas de bol quand même.
Le moine, si c'est à distance, il en profite pour essayer de tirer un carreau d'arbalète sur Croril. Non, ça t'est bien parti pour la soirée, là. Putain, c'est un fumble. C'est un fumble, qu'est-ce qui se passe? D'accord. J'ai tout donné. Je suis épuisé. Avec une arbalète. faut que je fasse un jet de vigueur pour annuler. Et à vigueur, c'est ta classe d'armure. Croyez-le, t'as combien en classe d'armure, s'il te plaît? Oula. Contre la protection contre le mal ou? Non, juste l'armure. 21 quand même. À 21, putain, un jet de vigueur à 21. Je sais pas si je vais y arriver là. Putain, mais non. Donc, je suis épuisé. Donc, je suis en anglais. Exhausted, je crois. Ne pas confondre avec un autre. Alors, toc. Épuisé, c'est exhausted. Il y a exhausted et je sais plus. Enfin, bref, je suis exhausted. Alors, faut que je trouve dans pas confondre avec ça en tout cas. Faut ouais. Pas le confondre, hein. Ouais. Non. Avec l'autre. Faut pas. Alors, ouais. Exhausted, hop, et je passe mon tour. Alors, le fait qu'il soit fatigué, pour juste pour la forme, pour que vous sachiez, en fait, hein, le fait d'être fatigué, je peux me déplacer, mais à la moitié de ma vitesse, et je peux pas courir, et je peux pas charger. Et je suis bien malus de moins 2 en force et en dextérité. Et si je suis de nouveau fatigué, je suis épuisé à la place. Voilà, c'est ça, faut pas confondre fatigué et épuisé. Mais exhausted, c'est pas épuisé. Alors ouais. C'est plutôt épuisé, Exhaustion. Ah merde, j'ai lu fatigué. Alors c'est épuisé. C'est pire, épuisé. Je suis très très fatigué. Je me déplace à la vitesse de mon déplacement. Je ne peux pas courir, je ne peux pas charger. Tiens, 40. Et je subis un malus de moins 6 en force et en dextérité, alors que tout à l'heure c'était moins 2. Bon bah je crois qu'il va nous faire chier celui-là. Et t'as le niveau au-dessus, c'est blasé. Ouais, c'est ça. Par contre, ça dure. Alors, par contre, là, c'est pas un round que ça dure. Hein. Ça dure une heure. Toute la vie. Oh, une heure. Ça mais c'est énorme pour un fumble quand même. Ouais, c'est énorme. C'est un fumble. Hein, c'est un fumble. Ouais, enfin, t'es presque si t'étais tué quoi. Alors, on va mettre. J'aimerais pas faire un fumble comme ça, personne. Bah oui, c'est énorme. Non, c'est énorme. Pardon, excuse-moi, Louis, j'avais pas... Non, d'ailleurs, t'inquiète pas, pense-toi, là, moi, je jouais. Eh bien, Calgestro, c'est toi, dis-moi tes intentions. Eh ben, je vais faire une main brûlante, que tu connais bien aussi. Ah, je lance un contre-sort sur toi. Je me suis déplacé, et hop, pof, je fais une main brûlante. Sur ces deux-là. Donc, l'attaque... Ah non, c'est un coup, mais il n'y a même pas besoin d'une attaque. Non, j'ai le droit à un jeu de réflexe. C'est la sauvegarde ouais, que je dois te lancer, c'est ça. Et c'est... Un succès pour l'un et... Pour l'un, failure pour l'autre. Et donc, je m'en fous, je lance les dégâts et ça devrait le faire. Link pour un. Ouais. Et il faut que je sélectionne l'autre avec la moitié dégâts. C'est ça, avec plus ou moins, ouais. Commence à connaître un petit peu le truc. Hein. Ouais, super. Voilà. Et c'est quand même bien mangé, c'est là. Il ouais, y en a un qui a cramé sur place quand même, hein. C'est. Prenez c'est, ça. C'est assez impressionnant, hein. Genre assez. Je te retire le cône là. Ouais, ça fait mal. Le moine 5, il est où? Le moine 5. 5, il doit être mort, non? J'entends des tambours. Ah, il est où? Je le vois plus. Je vais grossir son tour. Il est sauvé peut-être? Oh non. Lol, je le vois pas. Quelqu'un le voit? Non. Je suis à la grandeur de ma fenêtre. J'ai la taille de ma fenêtre. Ah oui, si on fait le il est en. Ah oui, j'avais pas le micro. Il est entre Croril et Urde. Ah oui. Il est coincé, il est en sandwich. Il est en sandwich. Ah putain. Tourbillon de Wazra. J'ai enlevé ça parce que. Alors. Réfléchissons. Il y a ça.
Métis. Ouais, il est tranquille là pour réfléchir. Je fais un pas de placement et je vais frapper sur Urd qui a l'air d'être le plus menaçant. Et il te donne un coup de nunchaku en fait. Paf, boule. Et ben oui, super. Et c'est dit. Alors, oui, il est mort lui. C'est à Anita. Je regarde ce que j'ai dans ma besace. Alors, peut-être que je coche les sorts que j'utilise aussi. Oh là là. Ouais. Ben elle va faire un pas de placement. Elle va venir ici et elle va elle crache sur Auril. Alors, elle tend la main vers toi en fait et tu. Je lui serre la main. Salut. Oh, putain, ça marche pas. Ouais, tu vois un espèce de jet verdâtre qui vient à tes pieds en fait et qui brûle le sol. Ça fait. Je sais pas d'effet spécial pour ça. J'ai esquivé comme dans Matrix le jet d'acide, tu vois. C'est ça, Timor. Oh, ma carte elle vient de bouger là sur mon écran. Timor il va. C'est impressionnant. Hein. Ouais, j'ai peur à chaque fois. Tu tires la queue de ton chat pour faire ce bruit. Antes. Oh, je sais pas. Ah, tu t'es déplacé, c'est ça? Non, je suis en train de réfléchir. Ah non, tu t'es déplacé. Ouais, il va se mettre là et puis il va mordre celui-là. D'accord. Donc ça fait un pas de placement. J'ai fait qu'un pas là, hein? Un pas de placement, du coup. Oui, donc tu peux faire une attaque à outrance. Allez, roll the dice. Oups! Juste un miss, ça. Et du coup, je fais les autres. Oui, bien sûr, ouais, tu fais tes griffes. Ça a pris ça ou pas? Non. Non, le. Vous avez vu mon jet ou pas? Non, non. Non, on l'a entendu. As-tu bien ciblé? Oh là là! Ah, là, par contre, on l'a bien vu. C'est ta miss. C'est donc, je relance le même pour. Tu relances le même pour savoir si c'est. Un double miss. Un double miss. Non, c'est pas un double miss. Donc là, c'était ma première attaque de griffe, oui, et je fais la deuxième. Non, tu t'arrêtes là parce que t'as fait un fumble. Dès que okay. Tu fais un 1, tu t'arrêtes dans tes attaques. Ok, ça marche. Donc. C'est que tu t'es marché sur la patte. Tu t'as frappé de ta patte la terre en fait au lieu de le toucher quoi. Ça fait un peu Clarence le lion, mais bon. Alors. Il touche pas. J'aurais pas aimé, hein. J'aurais été à la place du tigre, j'aurais rien dit. Quand même. Bah, d'ailleurs, le moine n'a pas du tout apprécié et du coup, il fait un peu de placement et il tire avec l'arbalète sur Timor. Eh ben non. Le moine à distance voit son pote se faire mordre par le gros chat. Il en profite, il vise Timor. Sacro Ril de jouer. Oh, t'as essayé de m'asperger. Voilà, tiens, coup de marteau. Par le marteau de. Par le marteau de Goran. Tiens. Coup de plomb. Ouh, ça fait mal ça. Ouh. Aïe. Ouh, bon, aïe. Elle a la tête qui est rentrée dans les épaules. Quoi. Mettons la joue droite. Elle tombe au sol. Le crâne fracassé par la puissance de Kroril qui en appelait à son dieu pour l'aider en fait. Tidin, t'es à distance toujours. T'as une sphère enflammée qui est en train de brûler sur Anita. Elle vient là brûler notre petit frère à Jardin. Eh bien, tu me fais faire un jet de réflexe s'il te plaît afin que je puisse l'esquiver. Et que je trouve ma feuille de perso. Oh putain. Elle est là. Alors, sphère de feu, jet de réflexe, injardi. Je vois pas le résultat. C'est une faillure pour moi, donc j'ai loupé. Donc je jette les dégâts. Putain,
faire mal. Tu jettes les dés sur lui. Ouais, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Ah bon? Allez, ah oui, tu vas peut-être... Fais 8. Ouais. Tiens, prends ça dans les dents. Hop. Putain. Ah bah, t'as pas résisté là. Oh putain. Et on est toujours dans un temps orageux. Oh, bah, un petit peu raté là. Ah mais quand même, hein, il a les... Ah bah, il a la barbe noircie. Parce qu'il a pas de cheveux sur le caillou. C'est donc au moine 3 de faire quelque chose. Bah, alors pour décrire, il a quand même pris l'électricité statique, hein, on va dire. Donc elle est droite et noircie. C'est un peu dommage. C'est ça, c'est ça. Donc le moine 3 fait le mort. Tandis que le moine 9... fait le mort. Fait le mort. Staninuel de jouer. Staninuel... Il n'y a pas besoin de bruitage pour venir là. Non mais on sait très bien qu'on s'est agaillé le jouet de toute façon. C'est quoi le cercle jaune au-dessus là? C'est la boule de feu qui est en train de gagner sur lui. Qui reste là. En fait elle est sur le frère à Jardy qui l'a brûlé. C'est qui Jardy? Donc si tu veux te déplacer, on peut si tu veux te déplacer à l'endroit de la sphère... Tu peux m'y mettre, hein. Oui, il faut juste que j'enlève le token, parce que sinon ça va faire... Voilà. Et puis je frappe. Allez, tiens, tac. Ouf. Boum. Bam. Et ouais. C'est un critique, confirmé. Et il va avoir mal, le frère Jardy, je crois. Et voilà. Toujours un barbare, ça, c'est bordé. Et bing. Ah, j'ai oublié le plus 2 de Tonight d'ailleurs, que je m'évertue à faire. Et bon. Oui, mais t'inquiète, ça. De toute façon, ça avait réussi. J'aime bien jouer les barbes tout en finesse, tout ça. Alors, tu peux expliquer ton action pour la vidéo, ce que t'as fait exactement, Gaël? Oh, ok, merci. Amarange profite. Bouffe ma harpe. Ça te va mieux comme ça. Bah oui, on l'imagine bien, ouais. Amarange se déplace jusqu'ici et donne un coup de rapière au moine qui a osé tirer à l'arbalète sur Timor. Et il le touche. Chat. Ah bah, il est mort. Il est mort. Il tombe au sol. Ils sont pas résistants, hein, ces bestioles. Hein. Et c'est ton frère Ajardi qui... Il est mort. Qui fait le mort. C'est à Urde de jouer. Ah, il en reste 3 de Urde. Essaye de pas faire des trous dans les robes, Urde. Faut faire comme Croril, faut frapper à la tête. Ils ont perdu Urde. Je réactive mon micro. Ouais. Alors attendez, j'ai essayé d'en finir un quand même. Pour que ton honneur soit sauf, c'est vrai. Bah oui, quand même. Là, Sinon, tu pourras pas aller au Valhalla. Voilà. Eh ben, voilà. Oh non. Putain, c'est un critique confirmé. Je sens que il va y avoir encore une. Des fois 3, je crois, la hache. Hein. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je pense que ça va lui faire bobo là. Ouais, ça va faire bobo à la tête. Il va s'en rappeler. Vas-y. Ah, autant dire que la robe elle est foutue. Voilà. Disons que t'es un peu taché quoi. Vas-y, fais les dégâts, on est tout. Ouh là là, tous ces dés. Oh là 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 là. Il est mort. écoutez. Allez, je crois. Au bruit. Il est mort. Celui qui est tout seul là, il va commencer à flipper. Voilà. Ouais, il y a une tête qui vient de se détacher d'un corps. Il est brut quoi. Non, là, brut. Oh putain, 78 quoi. Heureusement qu'il est que V5 hein. Ah oui, c'est 45, j'avais pas vu 78 pour les. Ah non, mais c'est parce qu'il est en mode acharné quoi.
Je regarde quand même si t'as pas mis deux fois double power attack ou des trucs comme ça. Non, même pas besoin. Attends, par contre, ça fait deux tours de rage, il faut que je les compte. Voilà. Oui, c'est pas mal ça, par contre. Alors, le moine 6, il dit... Oula. Il regarde son pote qui est près de la charrette, là-bas. Il est fatigué, lui. Hein. Il est très, très, très fatigué. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il va fuir. Je peux me déplacer. Bah, tu vois, il se tient à la charrette, en fait, tu vois, tellement il est épuisé. Et il fait un signe à son pote en disant j'ai pas bougé, vas-y, c'est à moi. Et l'autre court, en fait, de l'autre côté. Alors, je vais courir. Je fais 30 feet, donc ça me fait 6 fois 5, 30, ça fait donc 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Et je peux faire un double déplacement que je vais faire. 1, 3, 4, 5, 6. Et il vient ici courir. Caliostro. Ouais. Là, je me déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est à 12. Non, mais soit faut l'arrêter, soit faut le tuer, mais il va aller chercher des amis et tout ça. Ouais, et puis tes amis, ils sont autour de du campement, du feu. J'ai fait la dernière immolation. Ouf, ouais, bah, c'est un succès. Ah, c'est-à-dire qu'il prend pas feu. C'est toujours un succès. Et ben, c'est tant pis. Et ben, c'est à au moins de 5 qui est vivant, mais qui fait le mort. il est mort. Oh. Et c'est à Timor. Alors Timor, c'est quoi son déplacement déjà? Juste que je reprenne un peu là. Non, il peut se déplacer de 8 cases. Donc il fait un double déplacement, il se déplace de 16 cases. Mais il peut pas attaquer. Ah non, quand tu fais des doubles moves, non, tu peux. Il était super loin, le mec, en faisant de... Il fume. Ah bah, il fume. Ah, il a fait un 4, un quadruple déplacement, c'est ça, lui. Donc, il faut que je passe devant lui. Je me suis surtout déplacé en diagonale, donc la première coûte 1, et après, ça coûte 2, en fait. C'est 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est pas 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2. Toi, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est... Oui, il y aura... C'est responsable des règles, hein. Enfin, bah oui, si tu fais n'importe quoi, après c'est l'anarchie. Donc Timor, il va là, il va essayer de bouffer du moine encore. Donc il va se bouffer du moine. Bah ouais. Et bah, je vois plus Timor, il est où? Il est en face du moine. Ah oui, celui qui est en train de se tenir à la charrette tellement il est fatigué. Non, c'était l'autre qui était fatigué, non? Bah non, celui qui court, c'est celui qui est pas fatigué. Ah, mais... ah d'accord, c'est ça que je trouvais bizarre. Que ce soit... Bah oui, moi aussi. Bah oui, c'est pour ça, du coup. Oui. Merde, et bah tant pis, c'est pas grave. Bah en fait, je voulais pas le tuer là, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais du coup, en fait, il est là. Hein. Parce qu'il se déplace à la vitesse de son déplacement. Bon, je comprends rien. Pas d'avantage. Ah, bah du coup, Attends, alors je reviens en arrière aussi, parce que. Oui, parce que, la Timor peut l'attraper et faire un simple déplacement. Je m'étais planté, pardon. Parce que. J'étais par contre. Ah bon? Je devais être par là, non? Ah, moi je croyais que c'était le disque qui était fatigué. Mais... Non, il me semble que c'était celui-là parce que c'est celui qui avait essayé de me. Mais taper celui qui était fatigué, il est pas mort plutôt? Non, je crois que c'était le moine 6. Non, c'est le 6. C'est le 6 qui est celui qui courait, donc c'est bon. Parce que tu as bien rattrapé, Stéphane, c'est bien celui-là. 1, 2, 3, 4, celui qui a quatre, couru là, cinq, en fait, six, c'est le fatigué. 7. D'accord, ok. Et t'as fait retenir l'autre à la charrette alors qu'il l'était pas. C'est ça. Voilà. Mais il a pas joué encore l'autre. Non. Lui là, le moine 10. Non. Non, donc ça va encore. Donc Timor fait plutôt ça. Et. Donc je lance les dégâts. Dès que j'ai retrouvé sa feuille de personnage, excusez-moi, hop. Tu la fermes à chaque fois, la fiche de personnage? Non, mais elle passe derrière les autres fenêtres, donc il faut à chaque fois que... Ouais, c'est un petit portable, donc... Ah oui, c'est un... Déjà avec la souris et la... Hein? Fallait le dire que tu jouais sur une tablette. Mais en plus, tu fais des cartes énormes, alors, du coup... Ah, là, bah, j'arrive même pas à mettre les deux en même temps. Donc, attends, ça y est, là, comme ça, ça passe. Ah non, faut que je fasse les dégâts de... Ça, d'abord. On jouera sur les portables, hein.
Ah là, ça va pas toucher. Hein. Si, si, ça a touché. Ah bon. Bon, bah alors, on fait les dégâts. Hop. Voilà. Et je passe mon tour. Il fait le mort. Celui-ci. Ah bah le voilà, ça m'a c'est le 10 maintenant. Voilà, c'est l'autre. C'est celui-là. Donc lui, pareil, il va. Mais lui par contre, il peut aller plus vite. Il peut aller plus vite, et effectivement. 1, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Quelle est la situation ? La situation, c'est que tout autour de toi, il y a des cadavres. Et que tu vois deux types, deux moines en train de courir à l'opposé, et dont un qui se fait attraper par Timor. Ouais, bon. Je vais aller aider Ninuel. Bah attends, ouais, je vais faire une petite canalisation. Ah oui, y'a pas Kéliostro. Ouais. Bah t'as qu'à décaler à. Ah oui, on sait déjà. Ouais, bon bah je fais rien. Je rassure Ninuel, ouais, je vais te aider. Quel rôle de magnifique. Ou pas Ok. Bah c'est Tatiline. Alors Tiline, elle prend sa petite sœur de feu et j'essaie de la déplacer, mais j'y arrive pas. Hop. Tu hurles. Attends, je te la mets là, ouais. Parce que... Ah si, t'as réussi. Tu la déplaces jusqu'à là-bas, tu peux ? Bah, 100 feet. Ah ouais, 100 feet. Là, j'ai rien dit. Bah, t'as le droit de dire. Comme ça, j'ai le plaisir de te dire, hé, 100 feet ! Hé, là-bas ! Putain, 18 cases. Attends, je pousse ma feuille, je ramène la carte, parce que le mec il est dans le coin que je peux pas atteindre. Oh putain. Je pousse le frigo, je remonte la carte, voilà. Et t'as pas... Putain, mais et pourquoi ma feuille de personnage elle bouge et t'as pas pensé à brancher le portable sur la télé? Ah ouais, ça serait une idée, ouais. Hop, et maintenant je vois pas le résultat parce que c'est une fête cachée, donc vous c'est, me dites. C'est une faillure pour moi, donc une réussite pour toi. Allez, hop. Ah, il se fait cramer. Non, c'est pas l'appel de la foudre là, c'est. C'est une non, l'appel de la foudre vient maintenant. C'est la boule de feu en fait. Et maintenant, appel de foudre. Et donc, du coup, appel de la foudre, il est là, attention, ça vient. Hop. Ah, c'est un succès! Et donc c'est demi-dégâts ou rien du tout? Comment je sais? C'est moi qui te dis? Oui, c'est toi qui vas me le dire, parce que j'ai pas le nez sur ta fiche de personnage, en fait. Attends, rien, le délégué aux règles peut nous le dire. Il peut pas le faire. Pardon, c'est quoi la question? Il peut le faire. Est-ce que je réussis mon jet de sauvegarde, est-ce que je prends quand même les moitiés de dégâts de l'appel de la foudre? Je crois que oui, hein, on l'avait réflexe Alf, il y a marqué. Oui, donc mange un petit chat. Donc là, il faut que je fasse demi. Putain. Alors oui. Attends, c'est dans la fenêtre plus moins, c'est ça? C'est ça, c'est plus moins. Dégâts, demi dégâts. Voilà, demi-dégâts. Et après je lance les dégâts. Sur lui, ouais. Oui. Et ben voilà. Tu sais, Stéphane, l'immolation spontanée où il avait réussi. Oui. Il se prenait quand même les dégâts de moitié. Hein. Ah, d'accord. Ça me disait bizarre qu'il se prenait rien. Ah ouais, alors moi je connais pas les règles donc. Mais c'est pas grave, c'est fait. Donc, c'est mal visé. Faites votre tambouille. Hein. Ah oui. Du coup. Mais je suis en train de refaire mes liens là. Donc, Du coup. Il reste plus que le 6. Ouais, c'est un annuel le jeu. Ah, rien. Ok. Bah, m'arrange. Nil!